gare, quartier où se concentrait la communauté juive de Sanaa. Thank you.
En 1948, 11 ans après que René Clément eut réalisé ce film, l'imam Yahya sera assassiné au cours d'une conjuration ourdie par l'un de ses fils, des chefs de tribus rebelles et une poignée d'éléments avancés qui avaient été en contact avec les idées nouvelles diffusées depuis Aden, le port sous protectorat britannique. Complot écrasé dans le sang par un autre fils, devenu imam à son tour, mais qui sera à l'origine de la révolution de 1962, inspirée par le groupe des Yéménites libres, en liaison avec le régime nassérien. L'imam Yahya avait commis l'imprudence d'introduire les mitraillettes dans son armée et de circuler en cadillac décapotable. Pour un homme qui ne jurait que par les sabres, les mousquetons et les chevaux, ces timides concessions au modernisme se sont avérées fatales. D'études yéménites exprime sa vive reconnaissance au docteur Claudie Fayen, grand ami du Yémen, qui nous a permis de découvrir ce film, et remercie monsieur René Clément d'avoir bien voulu autoriser sa diffusion.